Bienvenue à tous au Festiel 2023. On est au parc de loisirs de la Corniche des Forts à Romainville. On organise un événement sportif, une dizaine d'activités sportives gratuites et ouvertes pour montrer que les filles et les femmes peuvent pratiquer tous les sports, y compris des sports qui sont majoritairement pratiqués par des hommes. Le Festiel s'est organisé par des bénévoles de la FSGT 93 qui sont en formation toute l'année pour être dirigeantes dans nos associations sportives. Dans le 93, on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de femmes qui viennent vers le sport et on va toujours garder la notion de performance alors qu'en fait, il faut aussi penser à faire du sport pour s'entretenir, pour lutter contre la sédentarité et aussi pour se faire plaisir et pour créer un lien social. Je trouve qu'il y a encore trop de stéréotypes. Les femmes n'ont pas leur place, elles ne peuvent pas pratiquer tel sport. Donc là, c'est l'événement qui me tient à cœur. On est là pour montrer que tout le monde a sa place, les filles, les femmes, et qu'il n'y a pas de pratique d'hommes ou de pratique de femmes, que toutes les pratiques sont ouvertes à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un point d'orgue parce que c'est elles qui ont organisé cette manifestation, qui sont allées chercher les associations sportives pour venir proposer des activités, contacter les municipalités pour monter cet événement et pour amener ces enfants, ces femmes, venir pratiquer aujourd'hui dans un milieu convivial. L'idée, c'est de montrer que les filles et les femmes peuvent pratiquer tous ces sports et qu'elles peuvent aussi les encadrer. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe très féminine dans l'encadrement. On essaye de montrer que vraiment c'est ouvert à tout le monde et surtout aux enfants pour qu'ils puissent, après, s'ils veulent s'inscrire dans des clubs ou dans des sections et s'épanouir comme ça dans le sport.